Emmanuel, merci pour ton intervention. Je crois que je partage ton analyse en partie. Il faut qu'on se mette d'accord. OK? Il ne faut pas prendre certains combattants pour des canards sauvages. Vous vous battez ensemble. Lorsque vous gagnez, il n'y a qu'une petite minorité qui s'accapare du pouvoir et qui estiment aujourd'hui qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur les autres. Et les autres, vous leur dites que il ne faut pas se précipiter, il faut patienter, il ne faut pas, non. Il faut être équitable. Nous sommes de l'école de Tshisekedi. Tshisekedi nous a appris la justice distributive. Moi, je veux vous dire, le parti, ce n'est pas le parti des Kabundi, des Kabuya, des Teni, des Mikindu, non. Moi, je fais partie de l'exécutif du parti. Tu peux demander, est-ce que lorsqu'il y a des ambitions à gérer, cette question a déjà été traitée au niveau de l'exécutif du parti? Jamais. Jamais. Lorsqu'on veut gérer les ambitions du parti, on quitte la permanence. On va louer des bureaux, soit à, je ne sais pas moi, GB ou etc., où on reçoit des dossiers là-bas. Mais vous êtes de la Ligue des jeunes. Pourquoi vous n'avez pas du travail jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi ceux qu'on retrouve à la présidence de la République, déjà qui ne sont même pas connus au parti, qui n'ont jamais combattu avec nous? Pourquoi? Mais pour ceux qui subissent l'injustice, vous voulez les conseiller, vous voulez leur dire qu'il faut patienter, il ne faut pas mettre les problèmes du parti dehors. Non, ça c'est la politique de l'autruche. Il faut regarder la réalité en face. Pourquoi les histoires, les débats vont dans la rue? C'est parce qu'au sein du parti, il n'y a pas un cadre au sein duquel on peut tenir ces débats. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les autres s'empiffrent comme des cochons? Ils monnayent même des postes. Et les autres, vous leur dites que non, restez calme, il ne faut pas vous agiter. C'est ça le problème. Non, 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 non. Je crois que c'est là où il y a eu un problème. Si cette distribution se faisait en toute transparence, on appelle Ligue des jeunes Boya, Ligue des femmes Boya, exécutif Bissoye. Voici les enjeux, voici les postes. Comment tu as dit que parce que nous sommes tous bunda. Il n'y a pas que Kabound et Kabouya qui ont combattu dans ce parti. Il y a des veuves, il y a des orphelins dans ce parti. Il y a qui ont perdu leurs enfants, il y a qui ont perdu leurs parents dans ce parti. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que parti est comme un cop, il y a Joe Moroboui. Donc, tout parti en otage. Donc, parti est comme un cop. Non, ça, il faut refuser. Nous, tout ce que nous voulons, c'est que, un, qu'on respecte les textes du parti. Toutes ces interprétations-là sont fallacieuses. Si on met, par exemple, le triumvirat, ça tue qui? Parce qu'on n'exclut pas Kabound de cette affaire-là. Il est là. Mais les autres présidents de la Convention démocratique, le président de la CEP, tous tirent la légitimité du président Tshisekedi. Pourquoi vous estimez que cette affaire-là, c'est une affaire de Kabound, de Kabuya, de Teni et de Mikindu? Donc le président de la Convention démocratique n'a rien à faire. Le coprésident de la CEP n'a rien à dire. Mais que Kabound gère ça avec ses amis, qu'il distribue ça comme ils veulent, et les autres attendent pour ne pas mettre les problèmes du parti dehors. Non, ça, il faut. Nous sommes tous des politiciens, papa. Hein? Faut pas nous amener dans des dos, dans des histoires qui relèvent pratiquement de la naïveté. Le pouvoir est là. Il faut le distribuer équitablement. Au sein des parlementaires debout, il y a des licenciés. Dans la Ligue des jeunes, il y a des médecins, il y a des licenciés. Il y a même ceux qui n'ont pas de diplôme de licence ou de graduat. Mais papa, à la présidence, là, on a fait nommer des mécaniciens là-bas.
Et alors, vous demandez maintenant aux combattants, vous dites que non, binobo za la calme, bo c'est là, ma place est zébelé, donc bisous bo, tu m'as dit, c'est pas, entre-temps, binobo za comme la poste. Non, là, bon, il y a besoin de la bande à est, là, binobo. De besoin de revendre à tout ce qui est à la poste, bo pesa ka ba makangu na bino, bo pesa ka bana na bino, bo pesa ka ba camarade na bino, biso ne bozolo ba keote, ma kamba parte bi maliba. Non, 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 non. Ce problème, il faut zala na misa. Photo solo là. Le problème que batouan na balingi ko solo la te, bazo mona ke soki babanika ko solo la ma, bifte ke ko konda. Basi basi ba engagement na bango, basi ba promettre batou, ba o ba kozala ba DG, ba o ba kozala ba ministre, ba o ba kozala ba. Alors bazo mona ke soki batou msou ba koti na kopo wana, bor wana ko ma muke mo ayi ba kota bango ezate. Mais je dis la vérité. Comment vous pouvez refuser que le parti soit co-géré? Pourquoi? Pour quelles raisons? Quelle que soit l'interprétation, beaucoup pèse au empêchement, indisponibilité et tout ça. Le bon sens, vous dit quoi? Ça fait du mal à qui? Ceux qui Jacquemin, Nakabund, Nawankwenda, Bajere, Bamimi Bisoto pour la présidence. Ça fait du mal à qui? Au moins, ça fait du mal à Nabato, parce qu'on a que parti comme une copine à Bango. Qu'il faut pas qu'on a même Nabarguimaya Lokuta, parce qu'ils sont en train de bouffer l'argent. Et ils ne veulent pas rendre compte, ils ne veulent pas être contrôlés. Donc, partir à boutique Nabango. Et ça, les gens, c'est tout à fait normal qu'ils refusent ça. Et vous, la Ligue des jeunes, vous avez votre part de responsabilité. Non? Vous avez pour le Naïb, au moins, vous avez un petit membre du conseil d'administration, il y a OCC, ou bien il y a ONATRA. Au moment où vous avez un petit peu chance à vie, on a un boulot. Mais nous, on n'est pas dans ça. Et puis on a un salaire pas moutouté. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Combattant, on soit à Bunda à se retrouver. Voilà, c'est ça mon problème.